Bien. Bonjour. Bonjour. Je remercie d'être là pour fêter nos jubilaires, 60 ans de mariage. On comptera pas jusqu'à 60 ans. Alors, ça fait pas mal de temps. Hein? Alors, je suis heureux. Ça fait le deuxième de la famille qui a réussi à se rendre à 60 ans de mariage. Alors, il y en a Flora, il y a quelques années passées. Aujourd'hui, ben, c'est leur tour. Alors, au chalet, avec Robin Brûlé, j'en ai fait des messes hein, pour tous les événements possibles. Tous les anniversaires de mariage, et pas tous, non, mais ceux qui étaient proches, on a fêté. Hein, tous les cinq ans, on fêtait. Puis à un moment donné, il y avait les vieux garçons et les vieilles filles qui n'avaient pas été fêtées, et ceux qui n'étaient pas mariés. Puis on a fait une messe pour les célibataires, pour nous autres. Alors aujourd'hui, ça, c'est bien le fun d'être ensemble, c'est intéressant, c'est un événement. Alors c'est dans la foi qu'on veut commencer la fête. On veut rappeler que les années vivantes se sont donnés l'un à l'autre, se sont mariés, et le Christ est présent à leur mariage. Toujours, to get married, hein? Et le troisième aussi, c'est le Seigneur. Avec vous autres, hein, qui a fait que vous avez reçu le grand sacrement du mariage, les grâces du sacrement qui sont attachées au mariage. Alors la liturgie de cet après-midi nous laisse voir, avec la parole de Dieu, eh bien, comment cet événement peut nous rejoindre hein, dans nos bonnes souvenances hein, du passé, de ce qu'on a vécu, surtout les membres de la famille, les enfants, avec votre père et votre mère, et nous autres, donc, lien avec la famille. Ce qui est important dans la vie, c'est créer des liens, hein, c'est ça qu'on célèbre. Parce qu'on va mourir, j'imagine, ils vont parler de ce qu'on, des liens qu'on a tissés, comme époux, comme épouse, comme frère et soeur, comme citoyen, comme membre d'une communauté chrétienne. Alors, nous voulons ensemble rendre grâce pour ça, ce qu'on a vécu et ce qu'on a été. Alors, je vous ai préparé, l'imprimerie a fait ceci, alors, ça rappelle. Et les maris s'étaient rendus à la tousse photographiée. C'était ma lune de miel. Alors, une belle photo de leur mariage. Puis l'autre bord, c'est la famille. Alors, noce de diamant, le 60e. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à bien célébrer, reconnaissons que Dieu est bienveillant et miséricordieux. Nous parlons de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, nos manquements, puis surtout confessant l'amour de Dieu pour nous autres, qui sont péchés. Seigneur, tu nous as donné l'exemple de la délicatesse envers les autres, parce que nous n'avons pas su t'imiter toujours, et que nous t'avons refusé de faire plaisir à ceux que nous connaissons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as dit que tu étais présent dans notre prochain, que tout ce qu'on lui faisait, c'est à toi qu'on le faisait, parce que nous n'avons pas su découvrir ton visage, dans ceux qui nous entourent, et parce que nous leur avons fait mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as su pardonner à ceux qui t'insultaient, qui te faisaient souffrir, tu nous as demandé d'imiter ton exemple, parce que nous avons refusé de pardonner, et qu'il nous est même arrivé de nous venger, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu te puisse nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils-Unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, amour de Dieu, le Fils et le Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui as assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Père. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Au Dieu de la miséricorde est infinie, et dont la générosité est inépuisable. Je te remercie pour les grâces. Que tu aies un Dieu qui nous accompagne, quand ça va bien et quand ça va pas bien. Que tu es toujours au cœur de notre vie.
met dans nos cœurs beaucoup d'amour, de foi, de ravir notre espérance. Nous qui avons, avec nos occupations, à vivre nos projets, notre race, notre sénilité qu'on peut vivre, puis nos problèmes de santé. Accompagne les jeunes à être dans la vérité, être signe de l'amour du Seigneur dans leur temps de main, à le service à leurs frères et à leurs sœurs. Te rends grâce pour ce qu'a été la vie de nos jubilaires. Tous les fois qu'ils ont dit oui à leur baptême, qui ont été signes, bien tes fils et filles de Dieu, dans le mieux qu'ils pouvaient le faire. Pour leur encouragement, pour leur espérance qui portait dans leur cœur, que tu étais là au cœur de leur vie. Merci Seigneur. Allô, jusqu'à là où tu les convieras ensemble en os de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mme Ida et Mme Amédée, ils célébraient le 60e. Je crois que Mme Ida faisait un petit peu de démence ou était un petit peu d'Alzheimer. Puis je célébrais la messe, puis Mgr Chesson m'était invité. Puis il avait tout mis son accoutrement là, de Monseigneur, de prélat domestique. Hein. Il paraissait bien. Hein. Puis là, j'ai dit, Monseigneur, voulez-vous venir bénir ma tante Ida et Mme Amédée? Enfin, il s'avance, puis il est solennel. Voilà, il a fait un peu comme le chant du Panis Angelicus, en latin. Benedictio Dei Omnipotentis, Decem dat super vos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je crois que c'est Manuat, je ne sais pas, l'Albert pour les médias pour le latin. Semper, qui dure toujours. Alors, les états, c'est content. C'est pas vrai, bon Seigneur, pour les autres, ça avait été l'occuré, tous les gens, les enfants de Mgr Amédée, ils étaient dans la joie. Oh, la belle prière qu'il a faite. Alors, ça l'est fait pour vous autres, en latin. Je vais la faire en français. Que Dieu te puisse vous bénisse, vous garde dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mes chers amis, quittons-nous dans la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie. Que l'Esprit Saint réponde son amour en vos cœurs. Que son Fils unique veille sur vous tous et sur vos enfants, vos petits-enfants. Allons dans la paix du Christ. Amen. Et tout de même, c'est un chant de sortie. Je ne sais pas ce que Diane m'a dit. Plus fort. Alors, j'ai béni ces petits chapelets là pour les chapelets. Ils ont un nombre vraiment C'est parce qu'ils vieillissent que j'ai mis ça plus beau. Ah oui, tu fais de la projection. Oui, il fait chaud. Vois-tu mettre ça sur Facebook? Un petit album spécial, là.
Vous allez tout être sur Facebook. Ça, c'est un dizainier que je vous donne à l'occasion de votre 60e. Il est gros assez, vous n'avez pas besoin de chercher une dizaine de six. Vous choisissez quel tu veux avoir au dernier de choix. Tiens. Ben oui, c'est ça. C'est des sœurs Myriam. Des sœurs Myriam, ça. C'est des sœurs à les faire. C'est ça qu'elle nous a dit. Côté.